Femme, à vous mes chants, ma pitié, mon amour. Toutes, vous me semblez une part de moi-même. Je lis dans vos douleurs et les peins tour à tour. Toutes, vous m'êtes sœurs, et toutes je vous aime. À vos persécuteurs, je parle sans détour, malgré leur ironie ou leur lâche anathème, car le mal est immense et l'instant est suprême. Les secrets de nos pleurs éclatent au grand jour. Notre rédemption est l'œuvre qu'on médite. L'amour se réjouit, l'impureté s'irrite, de voir la liberté qui nous donne la main. L'esclave qu'écrasait l'antiquité barbare entrevoyait le jour, pressentait la fanfare des temps où finirait son douloureux chemin. C'est bon pour toi ? Ouais, nickel. Et après, je vais juste, tu peux juste parler du poème et de ce pourquoi il te plaît. Juste parler, c'est aussi long que tu veux. Et c'est hyper bien. Moi, j'ai choisi ce poème. Il m'a beaucoup plu à la lecture. Je ne le connaissais pas. Et c'est pour l'ode qui est faite aux femmes dedans. Et j'aime beaucoup la comparaison avec les esclaves. Car c'est une société qui est un peu compliquée pour les femmes encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est un très beau poème qui parle aussi de sororité, de femmes qui s'entraident, qui sont coude à coude. Et ça, j'aime beaucoup, ça me plaît.